À une demi-heure que je monte. On va passer un passage assez dégagé de fougères sabres. On va commencer à rentrer dans la forêt. Donc toujours autant de gratons. Et beaucoup plus de racines. Et là, on est vraiment dans la grenade. Ah, pour un type comme moi qui va entre le kiosque et le bord de l'enclos, ça va me prendre entre 2h10 et 2h20 dans ces eaux-là. Au bout d'1h15, 1h30, on arrivera au puits Ramon. Les premiers sont en 1h. On aura fini la moyenne des 30%. On arrivera à un endroit beaucoup plus plat où il faudra alterner marche et course avec comme moi pendant 3 quarts d'heure. À partir des puits Ramon, on va rentrer dans une logique d'ultra. Essayez de courir quand c'est plat, quand ça descend. En se disant qu'il faut tenir encore 140 km comme ça. Allez, ça continue. Au niveau des cardio, ben je navigue entre 75 et 77 d'FCM. Plutôt que pousser plus, j'aimerais bien monter de façon régulière. En gardant ce rythme-là, ça serait pas mal. Aller plus vite. Sachant que j'ai fait des 1 minute en côte hier. Ça ne servira pas à grand-chose. Sinon de la fatigue inutile. Allez, à plus.